Salut, donc je vais continuer mon petit tour après une pause de week-end boulot. Donc on va s'attaquer à ce petit rayon-là. C'est principalement du jeu rétro. Bon, j'ai pas non plus beaucoup de pièces à présenter, mais avant d'attaquer le gros pavé GameCube Wii U. Donc on va commencer avec mes jeux d'enfance. Sur ma première console, Philips Zédiopac. Donc ça c'était vraiment les premiers jeux que j'ai eu, mes jeux d'époque, que j'ai gardé. Donc Labyrinthe et Satellite Attack. Bon, je cherche pas à avoir tous les jeux sur cette console-là, vraiment ceux que j'ai eu, que j'ai gardé et qui ont bercé mon enfance, quoi. Donc ça c'est Gear Laser. L'excellent Peter Tête de Pioche. J'aime bien les dessins. Et mon dernier jeu vidéo pack, Combattant de la Liberté. Voilà. J'ai un petit jeu Genji en boîte qui traîne à Yen 3. C'est mon seul jeu Game Gear en boîte. Là où j'ai une jeunesse en loose. Donc, bon, bah, premier Zelda. Popeye. Le premier Mario. Le Bugs Bunny Blowout. DuckTales 1, Fanny Adam Fester Quest et le jeu de foot World Cup. Donc, je cherche pas non plus à avoir plein de pièces NES ou en boîte et tout. Ça fait c'est l'occasion qui fait le larron. Donc si j'en trouve, j'en prends. Après voilà quoi. C'est pas des recherches que je me fais obligatoirement. Donc le petit Fatal Fury 2 en version US. Super Nintendo que j'ai eu sur le bon coin à vraiment un super prix, le même jour avec la même personne, le Sonic Blastman Beat'em All. Celui-là est pas mal, par contre ça reste quand même assez long en 50 fps, c'est quand même assez long. Le Judge Dredd, bon jeu d'action plateforme. Le Jurassic Park. Je préfère celui-là, la version Mega Drive. Plus aventure, quoi. Le Beat'em All Legend. C'est une version UKV. Je crois que ce jeu-là n'existe qu'en version UKV. Alors, par contre, il y a quand même des petits autocollants français. Et derrière. Si, c'est marqué en français quand même. Mais sur la tranche du jeu, bon, je vais pas l'ouvrir, mais c'est en UKV. Et la cartouche aussi. Le Robocop versus Terminator. Bon jeu d'action, shoot. Sonic Blastman en a parlé. Le Super Star Wars que j'avais trouvé dans un cache. Vous avez rentré plein de jeux Super Nintendo en boîte. Bon, j'avais pas trop le budget, donc j'ai pris vraiment les deux qui m'intéressaient. Il y avait le Star Wars et le Legend. Les deux rescapés de la collection Nintendo 64, Mickey Speedway USA. C'est vraiment pas une console que j'aime, donc je me suis séparé de beaucoup de jeux. Et Rogue Squadron, Star Wars. Je vais pas revenir sur les jeux Game Boy Advance que j'ai présenté déjà dans une vidéo il y a quelques semaines, quelques jours. Je vais m'arrêter là. Donc Alien 3 en loose, Super Nintendo. Donc ceux-là, je les ai déjà présentés. Et là, il me reste un jeu Game Boy. Le Jurassic Park. Le Bomberman Quest. Qui est différent des autres Bomberman. Au niveau du gameplay. Le
Le Pocket Bomberman. C'est assez pareil, c'est plus à plateforme en fin de compte. Là ils ont carrément changé le style. C'est bizarre. Mais ça reste une belle pièce pour la collection Bomberman. Et mon dernier jeu, Cauchemar des Schtroumpfs, qui est un bon petit jeu sympa sur Game Boy Color. Bon petit jeu plateforme sympa. Que j'aime bien. Donc voilà, prochaine vidéo, l'étage du dessous. Ça sera la collection Wii U et GameCube. Merci, à plus.